Hey, salut à tous, c'est Uzo. Putain, je m'étouffe. Pour le 25e amendement, petite mission, donc on doit sauver le président de la République, dites-vous. Allez, c'est parti. I thought you said you killed him. It was a very brief reprieve. We raided the agency a few days ago. You got him at his office? No. But the office has been closed and will not open again. You got the Ortmeier files? They're still in circulation. But we learned that the files are almost entirely useless without a fresh bone marrow sample from 47. So even dead, he's a threat. Only until he's cremated. About 20 minutes from now. How'd you finally get him? He got overconfident and greedy. He took on the most difficult, most highly paid assassination attempt in history. The presidential attack? The very one you asked about at the start of our conversation. Ready to hear how it really went down? We're all quite pleased to have you on this assignment, Mr. 47. The nation's gratitude... Skip the patriotism, Smith. Of course. Have you read the briefing? Not yet. Give me the big picture. The Vice President of the United States is plotting with Mark Parcheesi. I assume you're familiar with him? I know his work. Good. They're planning to assassinate the President as soon as he gets back from Los Angeles. Another drink, sir? Please. There's more detailed info on both men in the briefing. Can I do anything else for you? I'm looking forward to finally working with you. I'll contact you if I need more information. Beyond that, never contact me in person again. Sorry, gentlemen. My niece's birthday. Happy birthday, sweetheart. Did you get your present? It's everything I've ever wished for. My own access card to the White House. Is the roof alarm taken care of? Yes, Pumpkin. Everything is just fine. I'm afraid Uncle has to go now. I'll call you back later, and we can talk all about your party. You know how little girls are. Écoutez-moi, 47. Le président des États-Unis est sur le point d'être assassiné. La CIA, le FBI et les services secrets sont censés empêcher cet assassinat. Mais on ne peut pas compter sur eux. Non, on ne peut pas compter sur eux. L'homme derrière cet attentat est le vice-président en personne. Le même groupe qui a réussi à le faire nommer à la vice-présidence veut désormais le propulser dans le bureau ovale. Ils ont des contacts dans chaque administration et les assassins sont déjà sans doute en position à la Maison-Blanche. Si vous n'intervenez pas, le président sera certainement assassiné dès son retour de Los Angeles. Vos cibles sont le célèbre assassin Mark Parcheesi III et le vice-président lui-même. Ok les gars, ou les filles qui regardent mon live, on prend pas d'armes et on va voir ce qu'on peut améliorer quand même. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui s'appelle un petit remontant? Oh putain, un bon coup de fouet. Ça c'est cool. Ok. Moi je vous dis, on lance la mission. Et ok, bienvenue à la Maison Blanche. Et là on va s'infiltrer, on va prendre le costume d'un Marines et on va les niquer. Alors, faut aller dans les chiottes, vous prenez n'importe quelle seringue, voilà, vous la laissez par terre et vous lui attirez son regard, voilà, il va être attiré par la seringue. Et non pas par la meringue. Et vous allez pouvoir donc vous faire un petit marine. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que t'apprécieras mon cadeau avant ta mort. Je te laissais mourir sur un tapis rouge. C'est très gentil de ma part. Allez hop, on se casse. Ouh, j'ai même pas sonné. Pour vous dire. N'oublions pas d'aller chercher la carte qui est juste ici. Alors, bon, je connais la mission, donc je me permets quand même de me permettre de ce petit rush. Et après, vous sortez. Vous passez cette porte, donc la cuisine et tout, avec le petit serveur. Bon, bah écoute, ils sont sur leur garde. Ils se doutent que c'est moi. Ils ont trouvé un corps. Ça, par contre, j'avais pas prévu. Ok. Bon, on continue notre rush.
Si on se fait découvrir, bah écoutez, on se fait découvrir. Bon, en tout cas, j'ai enlevé les bandes. Ils savent pas qui je suis encore. Là, j'ouvre la petite porte. Voilà. Lui, on va attendre qu'il passe, tu vois. Et là, tu prends... pas encore. Tu prends le poison. Et... Ok. Là, tu l'empoisonnes, ça c'est fait. Ok, alors attends, par contre, j'ai oublié de récupérer sa carte. Et son deagle. Ok. On va avoir besoin de son arme dans tous les cas. Ok. Bon, nous, on peut se casser. On peut changer de zone aussi. Alors, c'est pratique, ça. Voilà. On va passer par là. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Bon, ni vu ni connu, si je puis dire. Et là, par contre, voilà. Ici, ça va être un poil plus dur. Ok, les gars. Là, on va monter en haut. Et les gens, on va mettre une petite bombe par ici. Mais juste ici, tu vois. Tu vois, normalement ici, il sera placé ici, le mec. Ok. Ah, je me suis pas cassé grand chose. Ok. Donc là, c'est parfait. Retourne voir ta daronne, toi. Voilà. Ok, là, vous prenez votre petite corde. Hop. C'est parfait. Oh, je me suis toujours pas fait découvrir en tant que marin. Le MP5, c'est sûr qu'il faut que je récupère. Et le costume des agents secrets. Ok, on se permet de traîner le corps, on va le mettre derrière le mur là. Voilà. Comme ça, ni vu ni connu, personne va venir nous faire chier, hein. Et on pose le corps. Et là, on va aller chercher l'assassin. Et on va se permettre une petite liberté, une petite sauvegarde. Ce n'est pas de la triche, c'est normal. Allez, hop, c'est parti. 47 en agent secret. Ça, c'est la classe. C'est la bande magnétique, voilà, hop. C'est cool. Ok, encore a été découvert, risqué d'être démasqué. Bon, ça c'est bon. Ils ont pas découvert le président encore, bah putain. Vous êtes donc le célèbre Mark Parcheesi. Voilà, l'assassin, on l'a trouvé. Bon, réfléchis pas, 47, tue-le là. On est presque frères. Vous ne pouvez pas me tuer. Je peux tout faire si je suis payé pour. Oh putain, j'ai cru qu'il allait me buter. Ah ouais, d'accord, il m'a épargné quand même. Mais il m'a mis une petite bombe. Et moi, je lui réserve la petite bombe. La petite, vous savez, la petite bombe que j'ai laissée en haut. Il va la kiffer. Voilà, ça c'est cool. Faut qu'on passe. Rapidos. Faut qu'on sorte. Surtout. On va monter par là-haut. Et comme ça, on va le coincer et lui faire exploser. Ouais, c'est pas moi, les gars. C'est pas moi, les gars. Cherchez pas. Ok, on se casse d'ici. Ok. On est face à la cible et là ça va être là. Boum. Voilà. Il est mort. Ça c'est fait. Ok, on prend le custom. Oh
il a laissé sa télécommande. Bah écoute, j'en ai pas vraiment besoin. Et nous, on va monter en haut. On va se permettre. Et encore une petite liberté de sauvegarde, voilà. Allez, voilà, voilà, voilà. Ok. Ok, on va passer par là. Voilà. Ok, on va se permettre de descendre du coup maintenant par là-bas. Ok, on va passer, on va foncer par là, vite, vite, vite. Bah écoute mon ami, que me veux-tu? Voilà, on va descendre par là directement. Paf 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 paf. Paf 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 paf. Alors ils savent pas qui je suis dans tous les cas, donc c'est bon. C'est même cool. Ok. Normalement ils cherchent l'agresseur et tout ça. Mais c'est pas moi. Ok, nickel. Oh putain, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir là. Ok les gars. Nous, on va se poser dans les chiottes là. Et on va devoir laisser tomber cette arme. Cette arme. Et enfin la dernière. Cette arme. Voilà. Et là on se casse. Normalement on peut se casser. Allez, hop, ciao. Mission accomplie. Et ouais les amis, on a tué 4 personnes, on a tiré 0 coup, combat victimement rapproché. Bah écoute, 2 cadavres découverts, témoin 0. Alors dites-vous que là on a géré là. On est un spécialiste, on a fait un peu de violence quand même, c'est un peu normal. Et on corrompt personne. Voilà, avis de recherche, Daniel Maurice retrouvé mort. La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gages. Bah voilà, c'était nickel. Ah bah tiens, il y a John Cena ici. Voilà, ça c'est nickel. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Et comme vous connaissez mon mot secret, c'est rendez-vous au prochain épisode.